Eh bien, écoutez, oui, j'ai des petits loves là, je trouve ça trop trop mignon. Et puis j'ai ce gloss de chez Make Up Revolution que j'adore. Je trouve super joli. J'en ai mis trois en fait, mais c'est trois de Make Up Revolution. Alors, donc, du coup, je viens pourquoi? Eh bien, je viens pour un retour de course. Alors, j'ai acheté ceci, un eurobain, mais sans piternelle, vous vous rappelez des petits pains. Tous les matins, elle achetait son petit pain au chocolat. La 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 la. Des sucrines, 1 euro. Franchement, 1 euro 20 les deux pains au chocolat. Les sucrines, moi, sincèrement, je préfère parce que la mâche, j'arrive plus à la garder. Les salades, j'arrive plus à les garder. Donc, ça, au moins, ça va me faire au moins la semaine. Voilà, voilà, je vais le faire avec des petites tomates. En fait, j'achète des petites salades et puis je les agrémente. Mais je devrais manger aussi beaucoup de légumes. En fait, il faut que je parle fort. Alors, je parle fort, dites-moi. Ouais, les voisins ils vont dire, écoute-moi, je t'arbais celle-là. 3,89 € des moules. Miam, 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 miam. Je vous montre comment elles sont. En plus, là, elles sont bonnes jusqu'au mois de septembre. Du coup, j'en ai pris deux. Ou trois. Je sais plus. Voilà, elles sont comme ça. Et vous les mettez au micro-ondes. Eh ben, je vous dis que ça, c'est une pure tuerie. Et comme elles sont bonnes jusqu'au mois de. Jusqu'au 4 septembre, c'est parfait. Voilà. Et je vous les recommande à 10 000 %. C'est la marque Auchan en 3 minutes. Mais elles sont, quand je vous dis délicieuses, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment. Vous savez bien que j'achète tout le temps ça. Et j'ai pris des frites, mais je les ai mis au congélateur. Je les ai payées 1,45 €. Et là, je les ai payées 3,89 € les moules. Ah, les moules, là, les moules, les moules. À la pêche aux moules, moules, moules. Je ne veux plus y aller, maman. Ning, ouais, bon. Je vous dis, je suis un peu plus heureuse. Mes vacances, je les ai passées avec ce petit chat. J'espère pouvoir partir. Je sais pas. Vous savez, je devais avoir un rendez-vous là. J'ai fait. En plus, j'avais écrit au président de la République. Il m'a répondu. Elle m'a dit, j'ai pris en demande votre compte. Ils m'ont appelé la société. Je vais m'en rendre plein la tronche. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est du 1,47 €. C'est du pépin. Alors, à chaque fois que j'achète et je ne mange pas, là, je vais essayer de le manger. Nulle odeur. Aucune odeur. Avec nulle odeur, il n'y a aucune odeur. Et oui, parce que cela vaut de l'or. N'importe quoi. J'ai que payer ça à 5 euros et des bananes. Alors, des œufs, parce que je me suis dit, ouais, Sylvie, tu vas faire un gâteau au noix. J'ai tout ce qu'il faut. Seulement, je les ai payés 1,05 € les œufs, franchement. Franchement, eh ben, le problème, c'est que. À votre avis, dites-moi. Eh ben, j'ai mangé les noix. Ouais, n'importe quoi. Et je voulais racheter des noix. Et là, j'étais préoccupée par le petit chat pour les acheter à manger parce que justement, j'avais bien mangé. Il y a des chats qui sont venus domestiques les manger, donc je suis restée à côté. Il faut qu'ils mangent. Donc, j'ai complètement raté mes noix. Voilà, super. Bravo, Sybille. Des nectarines. Alors, c'est des nectavignes. Je crois que c'est ça. Hein. Nectarines blanches. Ah, je me suis trompée. J'ai mis l'étiquette. Oh, j'ai mis l'étiquette nectarine, mais c'était des nectarines. Elles étaient à 3,99 €. Et là, j'ai payé 2,49 € le kilo. J'en ai quand même pour. 3,27 €, hein. Mais j'en mange au moins deux par jour. Donc j'adore ça. J'adore ça. Mais c'était quoi? Dites-moi, je me rappelle, il y avait un film ou une pub, j'ai plus. Oh, j'adore ça. Je sais plus. Dites-moi ce que c'était. Je crois que c'était un film. Ah ben non, j'ai déjà montré. T'as pas montré 10 fois. Ben, alors ça, ben, du coup, je m'en servirai. J'ai payé 1 €. 2,30 € le melon, je n'ai pas trouvé un melon à moins de 2 euros. Un truc de fou, hein. 2,30 €. Une petite salade que je vais manger ce midi parce que je n'ai pas le courage de me faire à manger. Je vais rajouter de l'avocat dedans. Je vais rajouter du melon parce que j'aime bien. Eh bien, j'en ai eu pour. Des fois, j'ai des courgettes crues, mais j'ai oublié d'en acheter. J'aime bien les courgettes crues. J'ai payé ces 2,20 €. Ou 3 €. Même pas contre les moutiquets, j'en ai pour 44 euros. 37 euros parce que j'ai eu des réductions. Et puis le coca que j'ai pris. Ouais, la France, PSG. Mais c'est pas grave, Paris est toujours magique. 2,90 €. Alors ça, c'est mes courses. Ça, c'est mes courses. Voilà. Alors cette petite robe, elle est magnifique. Je l'ai payée 6,95 €.
On peut pas en mettre plus dedans. Je vous dis pas, on peut pas en mettre plus. Hein. Non, non. Un centimètre de plus, limite, même pas. Là, on peut... Là, non. Pas un... Si, je peux mettre mon doigt, mais c'est quand même serré. Hein. Je vous dis pas qu'elle est serrée. Hein. Ouais. Voilà. Bon, ben, sur ce, je me suis maquillée. Là, j'ai fini mes courses, donc je vais les ranger. Ah oui, j'ai acheté, des, comme d'habitude, mes glaces, la gourmande... Agendas, les 6, je peux vous montrer le paquet, mais vous le connaissez, paquet marron avec à l'amande, avec les petits morceaux d'amande dessus. Voilà, j'en mange au moins 2 par jour. Ouais, mais des fois je mange pas, parce que des fois, je suis contrariée, j'étais très très contrariée pour Ivy, parce qu'Ivy ne mangeait plus du tout. À Ivy, je me suis dit, je vais appeler le véto, parce que ça devenait dramatique. J'ai failli appeler le véto d'urgence, on m'a dit non, attends, Sybille, c'est un caprice. Je dis ouais, mais elle mange pas du tout, quoi, rien. Et puis ce matin à 6h15, hier elle a mangé un petit peu aussi, et hier à 6h15, elle a miaulé à 6h15, et, parce que j'ai regardé l'heure, et elle me dit rien, parce que, elle aussi elle parle. Je dis, tu veux quoi mon bébé? Elle voulait manger, donc je me suis levée à 6h15 pour lui donner à manger. Il vit. Reprenne confiance en elle, qu'elle voit que je l'aime, que c'est pas parce que je m'occupe d'un petit chat que je la délaisse. Elle est très possessive, c'est Ivy, en fait je l'ai eu à 3 semaines, donc c'est moi qui l'ai élevée, donc je suis sa maman, donc elle a pas compris, et du coup elle a très très mal, une réaction lors anorexique quoi. Ah, bah, sur ce, je suis allée à Action. Et oui, alors vous me voyez les cheveux mouillés, j'ai pas encore été chez ma coiffeuse, vous me voyez les cheveux mouillés parce que tout simplement, dès que je rentre, j'ai pas mangé, donc ce matin j'ai pris mes médicaments, j'ai pas mangé, donc j'ai assez faim, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, j'espère que ma vidéo sera beaucoup plus dynamique que les autres ces derniers temps. Je vais manger ceci parce que j'ai faim, et je vais manger un fruit, et je vais me boire un jus de fraise, et puis ouais, je vais me faire un petit déjeuner comme ça. Et puis peut-être que pendant le déjeuner, eh bien, je vais vous faire un haul action en même temps. C'est pas mal, hein. Sur ce, je vous dis I love you, je l'ai dit, je te quiero, ti amo. Et puis, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, par ma bonne humeur, par ma joie de vivre, par mon peps... il faut que je redevienne comme j'étais avant, dynamique et rigolote comme ça, voilà. Je me suis maquillée pour vous faire plaisir, mais j'aurais très bien pu ne pas me maquiller, c'était pareil. Je ne sais pas si le maquillage est... Parce que l'autre fois on m'a dit, ouais, tu sais pas te maquiller, retente de maquiller. Alors c'est pour ça que j'ai fait la chanson. Apparemment tu ne m'aimes pas, j'en ai rien à faire. Si t'es pas contente, tu t'en vas. Et j'ai pas osé vous dire le geste que j'ai fait parce que je l'ai enlevé. Voilà, j'ai... Ivy, bébé, t'as mangé mon bébé, t'as mangé ma youyou. Je vais essayer de vous la montrer, mais c'est loin d'être facile parce que j'ai plein de courses. Donc pour l'attraper... Non, je t'attrape pas. Ah, il y a maman. Voilà la capricieuse. Et je me suis pas inquiétée parce qu'elle a des belles moustaches, parce qu'elle est quand même pas mince. Voilà, mais elle se laissait mourir, madame. Elle se laissait aller. Et maintenant, voilà, voilà. Dis bonjour. Miaou. Miaou. Fais un coucou à Francette, parce que Francette, elle a été adorable. Fais un coucou à Francette. Coucou, Francette. Coucou. Miaou. Fais miaou. Miaou. Vous avez vu comment elle est sauvage? Une journée pour qu'elle s'habitue et qu'elle comprenne que je l'aime et que je ne l'ai pas abandonnée. Parce qu'il faut savoir que elle, Ivy, elle a été abandonnée. Quand je l'ai eu, je vous raconte toute ma life. Ivy, elle a été abandonnée à l'âge de 3 semaines. Voilà, je l'ai. Ceux qui savent pas, hein, ceux qui savent, ouais, ils connaissent, mais elle a été abandonnée à l'âge de 3 semaines. Elle était dans des détritus. C'est une famille adoptive, une famille d'accueil qui l'a pris, mais qui peuvent pas. Les familles d'accueil peuvent pas garder les animaux. Les familles d'accueil peuvent pas garder les animaux comme ça. C'est pas possible. Donc du coup, oh, attendez. Donc du coup, eh bien après, ils sont obligés de les remettre à la rue, ou je ne sais pas comment ils font, quoi, mais ils ne peuvent pas les garder d'éternité. Il faut vraiment leur trouver une famille d'accueil. Et donc, ils étaient 3. Bébé, ils étaient 3, la maman les a abandonnés. On lui a donné le biberon, mais le biberon, il n'y arrivait pas. On lui a donné les maternisés. J'ai une vidéo, d'ailleurs, avec mon fils.
et puis qui lui donnait du lait. Et on a compris qu'elle avait la paix parce que la dame d'accueil, eh ben, elle ne pouvait pas s'en occuper. Et du coup, elle était très gentille. C'était une dame d'accueil super. Et d'ailleurs, elle en avait trois et les trois ont été pris. Voilà, elle a deux frères. Et les deux frères, je sais où ils sont. Hein. C'est mes collègues. Mes deux collègues qui ont... Il y a Oreo et il y a Tigrou. Et Tigrou, waouh, Tigrou, c'était le plus malade, le plus chétif. Elle l'a emmené, je ne sais pas combien de fois, au vétérinaire, petit père. Et Ivy, c'était la plus sale et la plus dynamique. Et Oreo, il était tout sage, tout mignon, c'était un petit amour. Et il est toujours peur. Et il faut savoir que ces chats-là, comme ils n'ont pas été sevrés, ils sont très, très peureux. Et Ivy est très peureuse, le moindre bruit. Elle a très très peur. Et Lucky, je pense que c'est un chat qui a été abandonné. Ce n'est pas un chat des rues. Je pense que c'est un chat qui a été abandonné parce qu'un chat qui est abandonné, il ne va pas vers les... un chat des rues ne va pas vers les gens. Il est sauvage. Lui, il vient vers moi. Il vient carrément. Vous allez voir la vidéo. Il vient carrément devant moi, quoi. Voilà. Sur ce, je vous ai tout dit. Je vais manger parce que j'ai faim. Bye. Ciao. I love you. Ich liebe dich. Et les tomates. J'ai trouvé ça trop mignon, la robe des tomates. Je trouvais ça trop chou. Bon, allez, je vais faire un TikTok parce que ça m'amuse, d'accord? Allez, hop. Bye bye. Ciao.